Moi, je me suis demandé pourquoi en un seul mot et pourquoi en deux mots une messe chaque année en la mémoire de Saint Yves, qui est en même temps juriste et prêtre. Pourquoi ? La raison et l'objectif en même temps. Donc pour vous qui êtes des professionnels formés pour offrir des conseils en matière de droit, ou pour représenter quelqu'un dans les questions juridiques, donc on se demande, qu'est-ce que cette célébration représente-t-elle pour vous ? Est-ce que ça a du sens ou c'est seulement une habitude ? Puisqu'on la célèbre chaque année. Donc je laisse à chacun de vous de répondre à cette question. Alors pour cette année, le thème qui nous est présenté est le suivant : l'état de droit au défi de la situation sécuritaire d'Haïti. Donc, bien évidemment, nous sommes portés à y réfléchir, mais surtout à s'engager, à nous engager à la mise en œuvre d'un état de droit. Non, c'est ainsi, et je ne vais pas vous rappeler qu'est-ce qu'un état de droit. Alors aujourd'hui, nous fêtons un saint juriste qui fut en son temps signe et instrument de la justice divine. Ce n'est pas seulement une justice humaine, mais une justice divine aussi. Des 50 années de vie de Saint Yves, nous pouvons retenir deux choses. Nous pouvons en parler longuement pendant des heures. Mais je sais que vous n'êtes pas là pour écouter une longue homélie. D'abord, il fut un juriste impartial, avec une grande attention, surtout aux orphelins, aux veuves et aux pauvres. Et puis, le second point qui a attiré mon attention, c'est qu'il accueillait les indigents dans sa propre demeure. Donc, en quelque sorte, il fut un avocat et un pasteur. Mais nous, qu'est-ce que nous avons à voir avec tout cela, avec son histoire? Pour nous, haïtiens ici, bon, je ne suis pas haïtien, mais pour vous qui êtes présents ici, qu'est-ce que ça vous dit, cette figure de Saint Yves, dans le concret de votre vie en tant qu'avocat, en tant que magistrat, je pense. Donc, par sa vie, Saint Yves s'est décidé à partager ses ressources, ses biens avec les pauvres. Et il est écrit qu'il donnait presque tout, c'est-à-dire son cheval, sa toute nouvelle tunique, les légumes de son jardin, ou même un morceau de pain, il l'a partagé avec les pauvres. Donc, c'était pas seulement quelqu'un de théorique, mais qui était vraiment compatissant avec ses contemporains. Donc, ici, il s'agit d'imiter cette figure de Saint Yves pour tout un chacun. Donc, il est un saint des professionnels de la justice. Et nous sommes interpellés. Donc, je vais répondre à la question que j'ai posée au début. Qu'est-ce que ça me fait d'être avocat par rapport à la figure de Saint Yves? Et après avoir réfléchi un tout petit peu, je me suis dit, bon, je vais partager avec eux la disponibilité à l'Esprit Saint. Puisqu'il était toujours disponible à écouter l'Esprit Saint ainsi que sa voix. Alors, en quelque sorte, on va dire que si on écoute l'Esprit Saint, puisque ce n'est pas seulement aujourd'hui que vous avez entendu parler de l'Esprit Saint, non. Il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées.
Vous avez toujours entendu l'Esprit Saint, invoquons l'Esprit Saint, tout ça. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un mémorandum, Maître René Sylvestre, agissant lors en ses attributions légales et constitutionnelles de chef du pouvoir judiciaire, a instruit les présidents et doyens des 18 juridictions du pays de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement des tribunaux où ils sont affectés. C'était octobre 2019. Maître Saint-Villiers, pour corroborer cette autre première, s'est rappelé qu'effectivement, il n'y a aucune obligation juridique de cérémonie pour marquer l'ouverture des tribunaux, qu'il s'agit d'une tradition. Une tradition obligatoire pour un pouvoir responsable de présenter le bilan de l'année écoulée, les perspectives et orientations pour celle qui s'en vient. Une tradition juridique, une tradition judiciaire qui impose à tous les acteurs concernés de réaffirmer leur détermination à poursuivre leur action dans ce domaine d'une manière active, juste et positive. C'est la première audience solennelle de l'exercice judiciaire à venir. Les traditions ancrées dans la vie communautaire ont une force telle que leur irrespect constitue une faute grave faisant douter de la capacité de gérer de l'irrespectueux. Personne ne s'est prononcé. Rien n'a été fait. Est-ce l'étonnement? On a simplement constaté une porte ouverte sur la débâcle de nos traditions judiciaires et sociétaires. Octobre 2022, situation chaotique, dysfonctionnement de la Cour de cassation, occupation du local logeant le tribunal de première instance de Port-au-Prince par des bandits lourdement armés. La justice est dans les rues. Les différentes démarches auprès des institutions concernées se résument par de pures moqueries. En dépit de tout, on était tous là à attendre la réouverture des cours et tribunaux. Silence total. Le parquet et le décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince ont décidé de reprendre les audiences et les 17 autres juridictions ont suivi, incluant les cours d'appel. Aucune audience solennelle n'est obligatoire à la réouverture des tribunaux. La descente aux enfers continue. Pas de rentrée solennelle. Assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Entrave à l'instruction du dossier du bâtonnier assassiné. Assassinat du président de la République. Prise en charge de l'instruction de son dossier par la communauté internationale. Dire qu'autrefois, nos décisions de la Cour de cassation servaient de jurisprudence dans des décisions étrangères, entre autres la France et la République dominicaine. La Constitution, les lois, les coutumes et traditions ne tiennent plus. Plus rien ne nous retient. À cette phase, devons-nous oublier également Yves de Tréguier. Ne pas rendre hommage à Saint-Yves de Tréguier, patron des avocats, des magistrats, des juristes, des hommes de loi et des universitaires. N'étant pas une obligation juridique de commémorer, devrions-nous alors vivre le 19 mai comme la rentrée judiciaire. D'une seule voix, les avocats du barreau de Port-au-Prince répondent non. Et il ne devrait pas être différent pour les magistrats et l'ensemble des professionnels du droit ici présents. Il est temps de nous ressaisir. Le pape Jean-Paul II, à l'occasion des célébrations du 7e centenaire de la mort de Saint-Yves de Hélory de Kermortin, parlant de ce dernier, a adressé en ces termes un message à Monseigneur Foucault, évêque de Saint-Brouin. Magistrat, avocat, évêque et prêtre, fidèle à défendre les principes de justice et d'équité, attentif à garantir les droits fondamentaux de la personne, le respect de sa dignité première et transcendante, et la sauvegarde que la loi doit lui assurer et souligne. L'actualité de son message qui promeut une justice équitable et de défendre le droit des plus pauvres. Yves Hélory de Kermortin, prompt et joyeux secours, ne distinguait pas son approche de la justice qu'il rendait d'une
manière sainte et juste, sans faire de choix ni de différence entre les personnes et faisant tous ses efforts pour amener la paix et la concorde, considérée comme un modèle pour de nombreux juristes désireux que leur activité professionnelle demeure au service de la justice.